L'objet du confinement pour toi, c'est quoi? Bah la petite tasse Rousseau que je Ah, profite. montre! Montre! Avec Petite le tasse logo, que d'accord. j'ai amené chez moi pour boire mon thé ou mes petits sodas. Ok. Et alors, montre un peu, il y a ton prénom dessus, je crois, non? C'est ça. Bonjour à tous, nouvel épisode de Je viens bosser chez vous en mode confiné de chez nous. Et aujourd'hui, je vous emmène bosser à la rencontre de celles et ceux qui travaillent en ce moment. On va prendre de leurs nouvelles, les encourager aussi. Et aujourd'hui, je vous emmène travailler dans un bureau d'études avec Mehdi, qui est dessinateur industriel. On va aussi découvrir son job. Allez, suivez-moi, on va se connecter avec lui. Bonjour! Bonjour. D'abord, ma première question, comment vas-tu personnellement et professionnellement dans cette période un peu compliquée? Ben ça va très bien. Écoute, je travaille. Moi, j'ai pas eu de repos. J'ai été confiné, mais toujours en Ouais. télétravail. Donc Tu travailles depuis le premier jour du confinement, en fait. depuis le premier jour du confinement, on travaille. D'accord. Donc Mais là, t'es pas chez toi, si? T'es au bureau, là. là, je suis au bureau actuellement, mais on essaye de venir au bureau de temps en temps, mais sinon, la plupart du temps, on est chez nous avec les collègues du bureau d'études, confinés, comme D'accord. demandé par le président. Comme beaucoup de Français actuellement. Exactement. Alors justement, on va s'intéresser à ton job. Toi, tu es dessinateur industriel, donc j'imagine que tu as besoin de beaucoup de réseaux pour travailler. C'est ça, exactement. Explique-moi en quoi ça consiste ton job au quotidien. Alors moi, mon travail au quotidien, c'est de récupérer des plans fait par un client qui nous demande de poser des garde-corps ou des barrières de sécurité routière. Ok, ouais, parce que je précise, tu travailles chez Rousseau Équipement qui C'est fabrique des ça. barrières de sécurité pour les ponts, les autoroutes. Ah, ok. Exactement. Donc moi, je dessine les plans sur un logiciel 2D qui s'appelle AutoCAD D'accord. et j'envoie ça au client. Et dès que le client valide le plan que je lui ai transmis, je fais les plans de fabrication pour l'atelier, pour pouvoir Ok. fabriquer ces garde-corps ou ces barrières de sécurité routière dans notre atelier qui est juste dans nos locaux. D'accord. Donc en fait, tu pars d'une idée, tu la dessines et tu l'adaptes pour qu'elle soit fabriquée dans l'atelier, c'est ça? Exactement. Ok. Et t'as fait quoi comme étude? Alors moi j'ai fait un bac professionnel études et définition de produits industriels Ok. et pour me spécialiser dans le métal après j'ai fait un BTS construction métallique. Et après ça, pour vraiment être dessinateur industriel, j'ai fait une licence en alternance avec Rousseau de dessinateur industriel. C'est une formation bien spécifique avec la Chambre du commerce et de l'industrie du Morbihan à Lorient. D'accord. T'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, 26 ans. Ok. Et tu travailles depuis combien de temps chez Rousseau? Depuis 2 ans et demi. D'accord, bah Donc, félicitations. ouais. Comme je disais, je suis rentré en alternance et puis. Tu t'es trouvé bien, tu y es resté. C'est exactement. Eh ben c'est génial. Comment tu gères ce confinement? Comment tu gères cette période un peu spéciale, à titre perso et pro aussi? À titre perso, bah, c'est vrai que moi, mes habitudes n'ont pas changé beaucoup, à part mes week-ends, quoi. C'est surtout ça. Mais en termes de travail, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas arrêté de travailler. Ok. Donc, ça continue. Ça continue le travail, c'est juste les week-ends où, ben, au lieu de sortir et de voir du monde, je suis un peu isolé tout seul chez moi, quoi. Et ouais, je le précise, t'es basé dans les Côtes d'Armor, hein, c'est C'est ça? ça exactement. Pas très loin de la mer, mais bon, on peut pas y aller en ce Ben, on peut moment. toujours pas y aller, donc c'est pas intéressant. Et puis ouais, parce que il a fait beau et j'ai pas pu en profiter, un peu déçu. T'es en appartement, t'as une En maison, jardin? appartement, sans terrasse, sans rien du tout, Aïe, 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 ok. je vois Bon. pas le soleil. Donc t'es content de venir au bureau, quoi. Ouais, ça m'arrange bien, ouais. Ok. Et comment tu vois l'avenir, allez, l'après-confinement, comment tu vois ça, toi, de ton point de vue de dessinateur industriel? Pas beaucoup différent du confinement, si, la reprise du boulot, tranquillement, mais avec beaucoup de travail, je pense. Beaucoup de D'accord. travail, bah, tout va se réenclencher, donc je pense qu'on va être débordé pendant un petit moment dès que tout sera remis en place. Bon, c'est plutôt bon signe quand même. Oui. Bah, vaut Ce mieux sera trop plutôt bon travailler que signe. pas assez. Ouais, c'est sûr. Et quelle sera la première chose dont tu auras envie? Quelle sera la première chose que tu feras une fois que tu seras déconfiné? Bah, moi, personnellement, je pense que ce sera retrouver tous mes amis, ma famille que j'ai pas revus depuis le début du confinement, puisque je suis le seul dans ma Puisque c'est famille à être dans les interdit. Côtes-d'Armor. Et que c'est interdit.
Et que c'est interdit, voilà. Mais je suis tout seul dans les Côtes d'Armor, donc c'est vrai que je profiterai, je pense, de retrouver toute ma famille, mes amis, et pour bien en profiter pendant assez longtemps. Faire la fête. Exactement. Eh bien, Voilà. écoute, merci Mehdi. De rien. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, un bon Merci. travail. Toi aussi. Et puis, Bon courage merci. avec les Et vidéos. ouais, merci beaucoup, ça se passe bien. Et puis, à très bientôt, hein, sans doute. On essaiera de venir te voir chez Oui, Rousseau bah, il faut. Équipement. Il faut. Ce sera mieux de voir ça en vrai. Bah ouais, exactement. Merci, hein, bonne journée. De rien, bonne journée. Merci. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Vous pouvez liker celui-ci, booster l'audience, partager, nous apporter vos commentaires également. N'hésitez pas à nous dire comment vous travaillez aussi chez vous ou à votre bureau. Partagez-nous ça nous fera plaisir. Allez, à bientôt!